Vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 15 novembre. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais faire un petit peu de rangement, un petit peu de ménage. Il fait super beau aujourd'hui encore. Il fait moins chaud qu'hier par contre. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ma corbeille de linge sale qu'il y a dans la salle de bain et je vais dispatcher le linge dans les corbeilles du garage. Il faut que je lance une machine aussi. Ensuite, il faut que je plie mes torchons et microfibres parce qu'hier j'ai lancé le dernier tour pour sécher et je l'ai laissé dans le sèche-linge. Donc ce matin, il faut que je le plie. Il faut que je donne à manger aussi au chat. Le chien, lui, il mange le soir. Mais le chat, je lui donne le matin, comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà, donc je vais commencer par le linge. Allez. Je viens de recevoir un colis Amazon, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Puis après, je vais commencer à ranger ma cuisine et tout. Donc, je me suis pris des probiotiques pour la flore intestinale. Voilà. Je vais voir si ça m'aide un petit peu mieux pour la digestion. Je sens que j'en ai vraiment besoin en plus. Donc j'ai pris ceux-là.
Voilà, qui sont quand même bien moins chers qu'en pharmacie. Et honnêtement, niveau performance, franchement, ça se vaut. Parce que ceux de mon fils, je les ai pris en pharmacie et j'ai payé la boîte 30 euros. Et là, je l'ai payé 20 euros. Bon, 10 euros, c'est quand même pas négligeable non plus. Et je me suis pris du gel d'aloe vera. Ça, c'est pour la digestion aussi. Ça aide beaucoup. Donc, je vais en prendre une cuillère à soupe avant ou après le repas, je vais voir, en fonction de ce qui me convient le mieux. Et puis voilà, donc une fois que c'est entamé, ça se garde au frais. Et en fait, ça protège bien aussi tout ce qui est mince, comment, œsophage, gorge et tout ça, quand on a des remontées acides. Voilà, ça aide. Donc je préfère prendre des trucs naturels que des médicaments. Et puis voilà. Donc je vais ranger un petit peu là. Là, j'ai mon grille-pain. Alors là, je le laisse tout le temps sur la table, mais il faudrait que j'achète un torchon un petit peu plus joli. Parce qu'en fait, comme je le laisse sur la table, souvent, je le protège avec un torchon par-dessus pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre dans le grille-pain, parce que bon, on ne peut pas nettoyer à l'intérieur. Donc voilà, je préfère le couvrir, au moins il n'y a pas de poussière, il n'y a rien du tout. On peut juste le secouer pour enlever les miettes et le vider en dessous. Mais sinon, après, voilà, on ne peut pas vraiment le nettoyer. Donc autant le protéger. Et il faut que je reconstitue mon cuve-vapeur et puis que j'aille le ranger, parce que je pense que je ne vais pas l'utiliser. Voilà, ou alors je le ressortirai de toute façon. Bon, je l'ai ouvert, je vais goûter avec vous ce que ça donne. Une petite... Ah non, c'est sur le téléphone. Déjà, l'odeur, ouais, ça donne pas envie. On va voir au goût. Je sais pas trop en prendre parce que. Voilà, c'est une petite. Je vais pas trop pencher, mais c'est blanc. Voilà quoi. Bon, j'aime pas trop le goût. Faut s'y habituer, quoi. Après, le goût au bienfait, voilà, c'est pas bien grave. Hein. Tant que c'est efficace, c'est principal. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.
hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. In my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving borders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I feel
fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Ça y est, on vient de finir de manger. Du coup, j'ai fait tout simple. Et les enfants et mon mari, ils adorent. C'est saucisse de Strasbourg frites. En plus, il n'y a même pas besoin de faire de vaisselle. On met tout dans la barquette et c'est nickel. Franchement, c'est hyper pratique et ils adorent. Donc, franchement, le top. Moi, par contre, je me suis fait un petit sandwich avec du pain demi complet, une tranche de jambon et un petit peu de beurre. Parce que moi, je mange pas quand c'est trop gras comme ça. Frites, saucisses de Strasbourg, ça passe pas. Enfin, surtout les saucisses de Strasbourg, ça passe une fois sur deux. Je les digère pas, donc j'en mange plus du tout. Et les frites, ouais, ça passe pas trop non plus. Ça devient trop gras pour mon petit estomac. Donc voilà.
Là, je vais débarrasser, tout ranger et tout. Et puis, voilà. Ça y est, on a remis la housse du canapé. Elle a séché. Bon, elle est trouée. Hein. Que ça soit là ou là. C'est le chat. Quand il s'étire, il sort ses griffes et il nous trouve la housse du canapé. Du coup, voilà, un petit peu dégoûté, mais bon, il faudra qu'on la change parce qu'après, là, du canapé, la structure est franchement nickel. Il y a juste la housse qu'il faudrait qu'on change, mais quand on regarde le prix des housses, la housse, c'est quasiment le prix d'un canapé neuf. Donc, je sais pas, autant changer le canapé tout entier, même si ça fait mal au cœur. Il fait 23,4 degrés dans la maison. Franchement, il fait trop bon. C'est agréable, une température comme ça. Ici, on est dans le couloir de l'entrée. Il fait 18,2. Vous avez vu la différence de température qu'il y a entre ici et la pièce juste derrière, où il fait 23,4. Il y a un peu plus de 5 degrés de différence. Franchement, je trouve ça hallucinant. Bon, ici, c'est pas chauffé. Bon, là, de toute façon, l'autre, on chauffe pas encore. Mais c'est pour dire ici, il n'y a pas de chauffage. Dans l'autre pièce, oui, il y a deux chauffages. Mais bon, il n'est pas encore allumé. Donc, vous avez vu quand même un peu plus de 5 degrés de différence. Là, c'est la porte d'entrée, pardon. Et là, vous avez derrière cette porte, la pièce à vivre. L'endroit où je vous ai pris, où je vous ai montré, pardon, la température. Ici, vous avez le garage. Et ici, vous avez un immense toilette avec un lavabo pour se laver les mains et tout et tout. Mais il fait tellement froid l'hiver qu'on n'y va jamais. Du coup, on s'en sert de débarras. On le condamne un petit peu l'hiver pour parce que c'est impossible d'aller aux toilettes. Ici, il fait vraiment trop froid. Quand l'hiver, il fait 8 degrés ici. Dans le couloir, alors vous imaginez dans les toilettes, c'est la même température, il fait super froid. On n'y va jamais, on va que aux toilettes de l'étage. Donc voilà. D'ailleurs, comme ici, il n'y a pas de chauffage l'hiver, on ferme. On est obligé tout le temps de fermer cette porte. Parce que sinon, le froid, il rentre et il fait... beaucoup plus froid dans la pièce à vivre et tout ça, du coup on serait obligé de chauffer. On chauffe un petit peu mais pas trop parce que vu le prix de l'électricité qui a augmenté, c'est même pas la peine. Enfin, je parle de l'hiver, hein. Comme je vous ai dit, on chauffe pas encore. Et là, juste au-dessus de ces toilettes, c'est la chambre de ma fille. Et on ressent quand même la différence parce que dans la chambre de ma fille, il fait beaucoup plus froid que dans les autres chambres. Parce que ici on a une pièce qui n'est pas chauffée juste en dessous. Du coup voilà, c'est pas qu'on veut pas chauffer, c'est qu'il n'y a pas de chauffage, du coup on peut pas chauffer et c'est interdit de mettre des chauffages, des pétrole ou je sais pas trop quoi. Bon, il est 16h10, je vais me préparer un petit goûter, une banane et des pruneaux. Voilà. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want. All I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Bon, il me reste quasiment plus de batterie, du coup je vais mettre mon téléphone à charger. Puis voilà, de toute façon, je vais finir cette vidéo maintenant.
En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et vous abonner. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.